Yo les broches, c'est Mika. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc, on va faire les poèmes d'Itildin. Donc, on va faire revivre Celebrimbor. Non pas dans les souvenirs, bah si, dans les souvenirs, mais aussi vraiment parce qu'il a été bouffé par Sauron, le pauvre petit. Bref, j'ai regardé vite fait du coup. Heureusement, ce n'est pas en elfe. Ce n'est pas en elfique, c'est en français. Du coup, il faudra constituer les trucs en français. Ça doit pas être bien difficile, je pense. Donc, on va lire tout ça et on va trouver le texte pour ouvrir la porte et je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je sais pas du tout, je me suis pas spoilé, donc on va bien voir. Alors, que nos ennemis se fortifient de fer et de pierre, ça doit être ça. Ça est logique, je pense. Qu'ils invoquent Horde, Horde ignoble, non. Revendiqué ignoble, non. Tyrée ignoble, non. Serpent ignoble et bête féroce, ça peut le faire. Il n'y a rien à en. Bah tirer, j'ai vu, tirer. Il n'y a rien à en tirer. Au fil des âges, jamais une armée n'a manié de telles armes, n'a déchaîné de telles hordes face au malheur maudite. Non, ça y va pas. Hein. Face aux hordes maudites, peut-être. De tels malheurs, voilà. N'a déchaîné de telles teneurs face aux hordes maudites, ouais. C'est mieux. Et là, revendiquer, voilà. Bah ça valide direct, donc c'est cool. Donc que se passe-t-il après? Que nos ennemis se fortifient de fer et de pierre. Ah, ils disent le poème. Il n'y a rien à en tirer. Au fil des âges, jamais une armée n'a manié de Ah, c'est un truc légendaire. D'accord. Face aux hordes maudites des ténèbres. Arc du Seigneur de Lumière. Bon, il doit être pas mal, je pense. Non, il a chié. D'accord. J'ai un arc plus fort. Donc, ouais. Pas terrible. Oh, tiens, un arc meilleur que le mien. Oui, je sais, j'ai encore beaucoup, beaucoup d'armes. Faut que je fasse le tri. Je sais, je sais, je sais. Mais bon, on tue tellement de capitaines, on a tellement de trucs que. J'ai vraiment une belle armure. Hein. Je suis content. Bref. Voilà. Donc, ok. Les poèmes, c'est juste ça. Je sais pas comment je suis dans les autres régions, donc c'était la porte de Nurmen. Je sais pas dans les autres régions ce que j'ai en Ithildien. Pourquoi pas essayer d'ouvrir toutes les portes, mais bon. Ça fera pas une vidéo ouf. Mais j'ai le souvenir que aussi à Minas Morgul, je n'ai pas fini. Mais championnat. Donc on va voir ici. On va mettre un repère à l'arène champion et on va se déplacer rapidement. On est niveau 60 à présent, donc on va entraîner un orc jusqu'au niveau 60 et puis on va essayer de gagner l'arène champion. Voilà, vu qu'on a fini le jeu, maintenant on est tout posé, on est tout calme. Tranquille. C'est pas mal. On arrive encore dans cette région toute verte. Et on attaque avec l'arène champion. Je sais pas quels sont le niveau de mes orques ici. On va bien voir. De toute façon, je pense pas qu'il y a un orque qui puisse rivaliser avec le champion ici, donc on va entraîner un orc dans les arènes plus basses. Un orc en particulier. Le meilleur si possible, ils sont niveau combien dans cette deuxième arène? 46, est-ce qu'on a des orcs niveau 46 par ici? Alors, ah ouais, on n'a pas beaucoup de dames. Hein. 27, 26, ils sont nuls à chier. Et 37. Voilà, donc le niveau 37, on va essayer de le mettre dans la première arène, sinon je vais acheter un orc et puis bah, acheter. Prendre un orc dans le marché et puis le prendre et puis voilà. Alors ici, ils sont niveau combien? 36. Bon alors, on va essayer de privilégier notre homme qui est notre garde du corps ici. Il est niveau 37, donc théoriquement il devrait gagner. S'il ne gagne pas, bah, on va acheter un bonhomme. Mais bon, lui je l'ai comme ça. Dernier adversaire. Du coup, je pense que ce serait bien de le privilégier, qu'il montre ce qu'il est capable,
C'est un orc épique en plus, donc je pense qu'il devrait le mettre cher. Après on ne sait jamais. Il a une lame empoisonnée, l'autre en plus. Ça risque d'être un peu tendu, mais on verra comment il se défend. On verra comment il se défend. Allez, bonhomme. Les Karagors qui sont derrière, qui le regardent. En tout cas, il tente assez bien les attaques. Hein. Bon, là, il a déjà presque la moitié de sa vie perdue. Il devrait gagner assez facilement. C'est celui-là. Donc après deuxième arène niveau 46, on va voir quel niveau il sera. Ah ouais, quand même, il prend cher quand même. Hein. Vu qu'il est empoisonné en plus. Ouf, ouf. Oh la vache. Oh, ça doit faire mal. Je comprends pas qu'après il puisse se relever comme ça. Ouais, bah là il tankait, mais il avait l'avantage, mais ouf. Il s'est fait victimiser. Victimiser en tout point, il va crever. Hein. Ouais. Il va réussir à crever. Oh, c'est pas possible. Je serais obligé de prendre un orc de mon inventaire parce que... Bon, ça vous fait de l'animation. Oh la vache, j'en reviens pas de mon orc qui est aussi faible. C'est quand même ouf. Il résiste encore, mais il va pas résister longtemps, le pauvre. Voilà, comme je l'avais dit. Bon, tant pis. Hein. On s'en fiche, nous. C'est pas une grosse perte. Alors, on va rentrer dans l'arène. On va pas essayer de taper l'autre. On s'en fout carrément. Alors, le marché. Je dois avoir des orques en stock, je pense. 3. Niveau 46. Ok. Lui, ah, il est moche. Hein. Ou sinon, je vais essayer d'ouvrir un petit pas, comme ça vous fait un petit peu d'animation aussi. Hop. Pour voir quel niveau sont les orques quand on est niveau 60. On pack des orques de quel niveau? Et je vais essayer de prendre l'orque épique. Parce qu'on a un orque épique et un orque normal, normalement. On a un bel Hologai là. Enfin, Holog. Parce que, ouais, faut pas dire Hologai. Hein. Parce que Hologai, c'est un groupe d'Holog. Donc c'est un Holog. Ok. Donc il est niveau quand même 58, le bordel. Il pourra directement aller à l'arène champion parce que... Parce que voilà. On déploie ici, bien sûr. Ah, Zadar. Allez hop. C'est parti, on va défourailler ça. Et comme ça, après, on pourra en plus réanimer... des capitaines, ce que je ne pouvais pas faire parce que justement je n'avais pas gagné à la fosse de combat niveau champion. Oula, ça nous fera un bon combat d'Holog. Donc normalement, théoriquement, il devrait la battre. 56 simple, donc normalement ça devrait aller. Arrête ton numéro et viens te battre. Il est stylé quand même, l'Holog à ennemi. Hein. Ouf, ouf. Oh, il se fait déboîter. Réagis, mon dieu. Allez, bordel. Eh, mais j'ai vraiment une équipe de bras cassés, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il a perdu la moitié de sa vie, il a même pas mis un coup. Allez, maintenant c'est à toi d'y aller. Hein. Oh la vache. J'en reviens pas quoi. Enfin, s'il perd, de toute façon je chope l'autre. Oh là là, mais il se fait défoncer.
Je vais choper bah, celui-là, le gagnant, et puis je vais le foutre directement dans la raid. Ah, allez, tape-le. Voilà. Ah, trois coups, il l'a mis et branlé. Allez, c'est maintenant, encore un coup, et c'est terminé pour lui. Bah voilà, mon homme. Ouf. Voilà. Nouveau champion, monsieur. Bien joué, Dédé. Magnifique. Ah. Loyauté immortelle. Dans le menu armée, sélectionnez un partisan mort et appuyez sur triangle pour le ranimer sous forme de revenant. Les revenants perdent 5 niveaux chaque fois qu'ils reviennent à la vie et ne peuvent pas les regagner. Ils sont plus vulnérables au feu, mais moins au poison. Ils perdent également leur affiliation tribale ainsi que leur personnalité, ce qui signifie qu'ils ne vous trahiront jamais. D'accord. Donc, je peux vous annoncer aujourd'hui que Zogdouche est mort. Je l'avais annoncé sur Twitter. Donc, oui, il est mort. Est-ce que il est encore mort? Est-ce que je peux le réanimer? Est-ce qu'il est encore dans mon menu armée à Norman? Je ne sais pas. On va voir ça tout de suite, mais ça peut être intéressant de voir si Zogdouche... Non, il n'est pas à Sirithungol, il est à Norman. Ça peut être intéressant de faire revenir à la vie Zogdouche et de créer une histoire au niveau de ça. Ce serait vraiment terrible. J'ai mes petites idées, si c'est pas possible, j'ai mes petites idées, c'est pas un problème, la série RP continuera, la saison 2 n'aura aucun souci à se faire. Mais ça peut être vraiment... Mais je pense pas que ouais, Zogdouche doit être parti. Pour de bon. Ouais. Il est parti. Dommage. Un peu triste, parce que c'était le nom qui allait. Zogdouche, le briseur d'eau, ce truc comme ça. Tant pis, il n'est plus là. Il n'est plus là, notre petit Zogdouche. Je ferai une vidéo pour dire précisément Zogdouche est mort. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous suggérez pour la série RP? Mais j'ai mes petites idées, si vous n'avez pas d'idées, mais j'ai vraiment envie de voir vos idées à vous. Donc tant pis. Zogdouche est définitivement mort. De toute façon, son design n'était plus comme Monsieur du Mordor. L'attachement n'était peut-être plus le même. Pour moi, quand même, j'ai un petit passement parce que c'est quand même Zogdouche. C'était lui qui était revenu du Mordor, de l'ombre du Mordor pour nous, dans l'ombre de la guerre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Pourquoi il y a un Caragor qui se promène ici? Oh là là, qu'est-ce que tu fais, toi? Niveau 30 en plus, il va se faire défoncer. Plus fort que tous les autres, et c'est pour ça que je suis le plus meilleur. Souviens-toi de moi, d'accord. Et entends-moi plus tard. Je suis le plus meilleur absolu. Je suis le plus meilleur, ok, d'accord. Tu vas faire une bouchée de moi. Aïe! Il tente pas mal, hein. What the fuck? Je peux peut-être pas faire exploser avec mon gars. Enragé par les blessures. Ah bah mon gars. T'as pas fini hein. What the fuck. Calme-toi bonhomme, calme-toi. Allez, fais-toi manger bonhomme. Oh la vache, c'est stylé hein. Franchement les combats sur le Caragor sont stylés, ils ont vraiment amélioré ça, c'est bien. Je vais faire une petite élimination au Caragor si je peux. Une petite élimination finale au Caragor, ça peut être bien sympathique. On va les cartes. Oh non, mon Caragor. Bon, c'est pas grave, on va prendre un grog. Je peux l'éclater au l'épée, mais bon, j'ai envie de faire ça. Et de vous le faire exploser comme ça. Oh, dommage qu'il voltige pas dans les airs. Bon, c'est pas grave, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette région? Est-ce que les Utildins sont pris? Est-ce qu'il m'en reste beaucoup à prendre? Deux, peut-être bien. Ici. Et ici. Et ici. Voilà. Il m'en reste beaucoup. Bon, on va essayer de faire ça pour finir la vidéo. Histoire de voir ce qu'il y a derrière une porte. Est-ce que c'est toujours des arcs légendaires? Oh! Les gars vont se demander si je t'ai pas fait faire mon sale boulot à ma Mais place. Vous me faites chier. Je vais te tuer pour que ce soit clair.
Vous me faites chier les capitaines là. Le mec il me fait une embuscade en plein milieu de l'arène comme ça. Allez je t'attends mec. Ce serait stylé qu'on peut le pousser là et qu'il tombe de super haut. C'est trop beau. Allez Mino. Fais-toi bouffer. Fais-toi bouffer. Il tank quand même hein. Il perd beaucoup de vie mais il tank. Wouah. Ouf. Allez. Allez. Au charbon. Hop. Oh. Ah bah. Je tue mon pauvre Grog. C'est pas grave, pas de soucis, hein. Je peux te finir à l'épée, bonhomme. Ah ! Pourquoi il gèle pas, lui ? Bon, tant pis. Il est mort comme une bitos. Allez, c'est parti ! Allons faire un petit tour, voir les Ithildines. Les Ithildines n'ont pris. Alors, il y en a un sur le chemin, tu vas le choper. Est-ce qu'il est où? Il est par terre. Il est par terre, d'accord. Hop. Quel est ce mot? Ok, ça veut dire bravoure. Ouais, ouais, j'ai étudié l'elfe. Oh, mais... J'ai un message pour vous toi. Me faites chier. Vous celui me faites de chier mon frère de sang. Ok, ok. Ok, ta mère. Allez, salut. On se reverra un jour, ok? Bisous à ta mère. Oh, putain, et... Y'a jamais ça et... Bah jamais. Rarement pour ma part dans le let's play, y'en a pas eu beaucoup. Hein. Mais là, une fois que c'est fini... Ah vache, ils viennent me voir. Hein. Ça va être par terre aussi ça. C'est ici. Hop. Là ça veut dire... broche gang en elfique. Ok. Y'en a un juste là-bas. On va peut-être pouvoir aller là, histoire de faire un petit chemin plus court. Espérons que le chargement soit pas trop long, histoire de se dire « Ah, j'aurais pu courir jusqu'à là et j'aurais mis moins de temps. » Bon, je pense pas quand même, c'était assez rapide. On va aller là-bas, et après à la porte. Ça va être un truc stylé, je pense, parce que Minas Morgul, c'est assez... Ça appartenait à nous, avant, aux hommes. Du coup, je pense que... Il peut y avoir un petit truc sympathique derrière. Hop. Bon, vous comprenez que je vais pas tout faire en vidéo, ces poèmes-là. Hein. C'était juste pour voir un petit peu... Ah, 5 sur 6 ! Où est le dernier ? Il va être à l'extérieur, paumé par là, vous verrez. Ah, il est là, oh la vache, j'étais à côté. Mais je suis con, je suis con, je suis con, les mecs. Et les meufs. Est-ce qu'il y a des meufs qui nous regardent ici? Sur la chaîne Broche Gang 2.0. S'il y en a une qui se manifeste. Qu'elle se manifeste. Oh la vache, quel abruti, j'étais à côté. Ça va mal et ça dure. Dans les plaines. Enfumée de Minas Morgul, une haleine verte étalée dans toute la région attire la haine chez les habitants de la cité blanche, désormais appelée cité verte, parce que pourquoi une purée de pois s'est abattue sur Minas Morgul. Ah non, c'était là. Hop. Allez hop, ça veut dire péter. Hop. On va aller là maintenant à présent. Hop, tac, terminé. Terminé. Oh merde, j'ai fait avancer dans le temps. J'ai fait carré. Je ne suis pas téléporté, j'ai fait carré. J'ai fait carré. J'ai fait carré. Du coup là on va un petit peu l'avancement des orques, on s'en fout. Mais on va voir. Hein. Mais on va voir quand même. On s'en fout, hein. On s'en fout. Je vous le dis, on s'en fout.
Nouveau capitaine inconnu. Oh, c'est génial. Merde. Je ne veux pas te voir. Du coup, comme j'ai cliqué sur l'orque, hop, naturellement, ça m'a enlevé mon repère. Oh là là là, ma vie est un calvaire. Bon alors, par où on passe? Ah oui, il me semble que c'est par là. Non, je sais plus. Non, c'est par dehors hein, qu'on passe, hein, il me semble, non? Je sais plus, je sais pas. On va voir ça, hein, je sais plus comment ça se passe. Il me semble qu'au tout début du let's play, on est rentré ici, justement. Et on se demandait ce que c'était. Oh bah t'es déjà mort, oh, tu me fais de la peine. Ouais, ça doit être en bas. Hein. Ça doit être en bas. Aïe aïe aïe. What the fuck? Ah non, ça doit être par là au final. Oh j'en sais rien, j'en sais rien. Est-ce qu'il faut rentrer là-dedans, dans les sous-sols? Non, non, je pense pas qu'on peut accéder. Non. Non, non, non. Ouais, c'est encore en bas. Hein. Et ici. Non, on peut plus. Non, non, on peut pas. Ok. C'est une carte au trésor. Il me semble que c'était par dehors, moi. On va essayer de voir ça. Est-ce que... Non, 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 mais c'est pas possible. Oh, pire, on s'en... Ah. Ouais, c'est ici, en fait. Tac, faut mettre le repère là. Parce que... En fait... Oh, mais ça m'aide pas beaucoup, ça m'aide pas beaucoup, hein. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a un petit tunnel... Ah. Ici. Donc je vais essayer de me diriger comme ça. Normalement la flèche va indiquer le tunnel. Voilà. Et là j'allais être tout droit. Tout droit jusqu'à arriver par terre. Et normalement il y aura le tunnel. Si tout va bien. Alors. Ça. Voici voilou. Ah mes yeux. Par terre on a dit. Hop. Et là il y a le tunnel. Je crois. Oui. Alors. Il est où ton tunnel? Il est encore plus en bas, hein. Là, je crois que je suis dans les murailles encore, hein. Ah. Non, mais c'était par là, hein. Ah, non, c'était là. Voilà. Voilà, je savais bien qu'il fallait sortir des murailles. Je le savais. Ok. Allez, un petit poème. Oh, quel est Brimor. Ok. Alors, quel est ce poème? Dans le pays du Mordor où s'étendent les... Les Kourou, les terres, les ombres, ça peut bien. Ça peut être bien. Nos barrières flottent, nos talons, tels des... S'étendent des tambours peut-être. Et là des ombres. Oh j'en sais rien, là c'est compliqué hein. Notre courroux est vive. Car notre courroux est vive. Notre mine est sombre notre mine est sombre. Car qui sur cette terre hantée de rêves obscurs ose résister à la flamme du désespoir vertueux. Voilà, ça peut le faire. Et c'est condamné au cadence. Bon, ça va rien dire. Ça va rien dire. Alors, s'étendent les tambours, hein, ça peut être pas mal ça. Hein. Là, je pense que c'est bon. Telle des ombres, notre courroux est vive. Je sais pas ce que j'ai. Les flammes du courroux vertueux. Notre cadence. Ouais, ça peut être. Ah, ça peut être pas mal ça aussi. Mais c'est pas ça. Au désespoir, aux ombres et à la mort. Tel des. Non, ça veut rien dire, ça veut rien dire. S'étendent les ombres. S'étendent.
Dans le pays du Mordor où s'étendent les ombres. Les ombres, on va dire les ombres. Nos bannières flottent, nos talons tels des... De toute façon c'est tambour ou ombre. Notre désespoir est vif, ça veut rien dire. Notre cadence est vive, ça veut rien dire. Notre courroux est vive, ça c'est cool. Car qui sur cette terre hantée de rêves obscurs ose résister à la flamme du désespoir vertueux, ça veut rien dire. Du tambour vertueux, mais ça veut rien dire. Du cadence vertueux, ça peut être du courroux. Peut-être. Ouais, ça peut être ça. Et là. Et c'est condamné au. Au quoi? Aux ombres et à la mort. S'étendent les. Les cadences. Mais c'est n'importe quoi! Je bloque, tout simplement. Se condamner au quoi? Qu'est-ce que j'avais dit au début, moi? Au tambour et à la mort, ça veut rien dire. Oh, je vous jure, aux ombres. Talons tels des quoi? Tels des tambours. Oh, je vous jure, oh là là. Je sais pas du tout. Ah, peut-être ça, notre ombre. Non, c'est. Ombre, c'est avec un S. Donc c'est des ombres. Alors, dans le pays du Mordor où s'étendent des ombres, nos bannières flottent, nos talons tels des tambours, notre courroux est vive, notre ombre est sombre, car qui sur cette terre telle des terres. Mais non, mais j'ai pas dit ça moi. Telle des tambours. Notre courroux est vivre, notre mine est sombre, car qui sur cette terre hantée de rêves obscurs ose résister à la flamme du désespoir vertueux et se condamner aux cadences et à la mort. Ça veut rien dire. Je vous jure. À la flamme du quoi? Du courroux, ça peut être pas mal ça, mais... J'en sais rien du tout. Sur 7. Bon, je sais pas. On va pas s'attarder là-dessus, c'est chiant. Je le ferai moi-même. Bon allez, bisous les broches, c'était vraiment con. Je suis vraiment con. Vous allez rire. Voilà. Allez. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, hein. Il y en aura un autre, hein, parce que voilà, je dois faire des trucs, on se tient au courant. Voilà, on se retrouve très bientôt en tout cas. Allez, bisous les broches.